Bienvenue dans cette vidéo sur le tuto base building sur Days. Donc on aura besoin de beaucoup de matériaux différents que je vais vous mettre en screen. Donc pour la première étape, il nous faut le kit de clôture, deux rondins et une pelle. Avant de commencer, il vous faut le kit de clôture. Donc pour ça, il vous faut deux sticks plus une corne que vous craftez ensemble. Et comme ça, vous pourrez commencer à construire. Donc pour la première étape, il suffit de placer le kit de clôture. Donc il suffit de cliquer une fois, choisir l'emplacement qu'on veut et de laisser appuyer. Ensuite, il nous faut deux rondins. Donc il suffit de cliquer pour l'appuyer ou de le glisser directement dedans. Après, on sort la pelle et on bâtit l'édifice. Pour l'étape numéro 2, pour construire la structure, il nous faut 16 clous plus 8 planches, plus le marteau pour construire. Donc on les place. Pour construire la structure, il vous faut le cadre supérieur et le cadre inférieur. Si vous avez la plateforme, vous faites l'élément suivant. Pour l'étape numéro 3, soit vous faites un mur en bois, soit un mur en métal. Donc là, on va faire le mur en bois pour le moment. Donc il nous faut 20 clous plus 10 planches, toujours avec le marteau. Sinon, pour le mur en tôle, il vous faut 24 clous plus 6 planches de métal. Voilà, maintenant on a construit notre premier mur. Donc maintenant, si vous voulez construire une porte, il suffit de rajouter le fil métallique, d'utiliser une pince et de construire la grille. Et enfin, la dernière étape, vous pouvez sécuriser la porte avec un cadenas combinaison. Donc, il faut d'abord saisir la combinaison quand le cadenas est dans votre main, pour choisir le nombre. Donc par exemple, on va mettre 306 par exemple. 1, 2. On fait le chiffre suivant. Donc là, il en faut plus. Encore 2. Hop, chiffre suivant 5. Voilà, là j'ai 306. Et après, il suffit de glisser ici. Et si jamais vous vous êtes trompé, vous avez oublié de mettre la combinaison avant de mettre le cadenas, il suffit de démonter la grille en prenant la tenaille et en visant la grille. Et le cadenas tombe. Le voilà. Pour les rondins, il suffit de couper l'arbre avec une hache. Pour les planches de bois, il suffit de scier les rondins avec une scie ou les récupérer dans des scieries avec une hache. Et pour les autres objets, il suffit de looter.